Oh, ça c'est un bon dimanche, ça. Ça c'est un dimanche à vraiment rien foutre. Ou alors faire vraiment n'importe quoi, quoi. Oh, vous êtes là, les amis. Un dimanche sur Twitch, avant 10 h du matin. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais, quand on boit beaucoup d'alcool, ça réduit le sommeil. C'est normal. C'est votre corps qui ne change pas, mais qui va prendre des tonges, du coup. Et du coup, bah, vu que, comme tout le monde a la tête dans le cul et que je ne fais pas exception, ben, je me suis dit, ce serait vachement bien dimanche matin, si tu dors pas, de jouer à quoi? De jouer à Snack et Bus, enfin. Donc, les amis, le temps de lancer le jeu. Prenez place. Je vous emmène. Je vais faire grand luxe, je mets un retour vidéo ou pas? Non, je vais pas mettre de retour vidéo. Bon, on va faire moyen luxe. Oui, j'ai la grosse voix caverneuse du dimanche matin. Bah maintenant, vous saurez, mes viewers, si un jour vous voulez dormir avec moi, ce qui vous attend le matin, quoi. C'est pas terrible. Oh, une mise à jour. Chouette, Snack et Bus est en train de se mettre à jour. Il devrait y avoir plein de nouveautés. Alors, j'ai pas relancé le jeu depuis la chronique qui a tant plu, que je vous recommande de regarder d'ailleurs, sur YouTube. Et donc, bah. J'ai vu des gens, d'autres gens y jouer, et j'ai observé qu'il y avait une nouvelle fonction, c'était le saut. Mais pas le saut en passant sur un tremplin, le saut qui vient de la part du bus, quoi. Il saute comme un petit ver de terre excité. Donc du coup, ça renouvelle un petit peu les déplacements, parce que ça peut être drôle de faire des sacs de bus. Alors je sais pas ce qui se passe sur mon jeu. Steam, apparemment, il a la tête dans le cul lui aussi. Et donc. Ready to launch ou ready to launch? To launch, to launch, to launch, to launch. Oh, damnation. Je pense que je vais avoir le son à fond dans les retours. Oui, je ne joue toujours pas au casque. Nos casques. Alors, j'ai le jeu d'un côté, apparemment. Oh oui, avec sa musique suave. J'ai le. Je vous enlève ça, hein, ça fait un peu sale. On va dire que la musique est bien, hein. Et on y retourne. Moi j'aime pas la voix du matin, c'est parce que tu sais jamais quand ça s'arrête. C'est un peu comme si t'avais mué, mais dans l'autre sens. T'attends que tu démues. Je sais pas si je suis clair. Comment ça, j'ai oublié de faire la capture? Mais pas du tout, enfin. Quelle médisance. C'est dimanche matin. Moi aussi. J'étais sur quoi? Sur visage. Oulala. Alors, où qu'il est? Où qu'il est le bébé? Le voilà, le bébé. Ça va bien se passer, bébé. Allez, viens dans le bus du bonheur. Badibaba Prigou, prigou, pa. Vous avez l'image? Alors j'ai perdu votre retour, moi je vous vois plus, donc je sais pas si ça stream ou pas, ça m'inquiète un peu. Dans le doute le plus absolu, je vais quand même faire un check. Ce serait quand même bien séant. Oui, vous aviez l'image, c'est parfait. Bon, on y retourne, pour de bon cette fois. Fini la déconnadasse. Alors aujourd'hui on va où? Bah, on va refaire un pari, puis je vais vérifier mes contrôles au passage, parce que... Je suis curieux de savoir si je peux sauter ou pas. Drift. Il n'y a pas de saut, du coup. Ah si. Jump boost. Ok. Bon, on va faire ça, man. Alors, jump boost, c'est placé pile sur la touche où on freine. Hein. Comme quoi, freiner, ça va plus être trop d'actualité, je pense. Tu me prends mon pad, par contre, mec? Ça serait sympa parce que j'ai pas envie de jouer au clavier aujourd'hui. Ni demain d'ailleurs. Enfin, pas ce jeu-là. Oula! Alors, j'ai des câbles en dessous aussi qu'on fait la bringue apparemment. Et pff, on va dire ça va marcher. Return. Garage. Est-ce que j'ai droit d'utiliser un autre bus? Est-ce que j'ai droit d'utiliser un autre bus? Allez. Regarde, celui-là, il est bien. Comment ça, faut pas cliquer tout plein? Si, regarde. Youhou, une avalanche de bus. Ouais, je suis là, il a l'air bien. Unlock. Et voilà.
Et ça, c'est quoi? Ouais. Bah, faut qu'on essaye, les gars, hein. Tu vois, Yoki, là, quand on fait une avalanche 2. Là, on dirait des gonds de cuisine, vous savez, les gonds pour attraper les plats quand ils sont trop chauds. Et donc, du coup, bah voilà. Bon, trêve de conneries, on va s'essayer ça, hein. Et je suis très curieux de savoir si le jump est fonctionnel. Non, il n'y a pas de jump, les gars. Oh putain, si. Je pense qu'on va se marrer. Le mec en bagnole, il flippe là. Oh là, mais il y a des nouvelles musiques. On peut pas changer la vue. Non, pas comme ça. Oh, il y a des nouvelles musiques. C'est Wheeze. Bon, on va foncer un peu. Alors, il est mou à l'accélération, celui-là. Mais dès qu'il a de l'élan. Alors, la vue est peut-être un petit peu proche. Et j'ai le jeu, du coup, saccade un peu, je trouve. Il y a des frames qui... Head to destination. Yes, I'm heading to destination, man. Look. In the FFL Tower and the Snow Schmuck. And now I can bring back some other passengers. Et on fonce. C'est Wheeze. Oh là là, ce bus est quand même pas terrible à contrôler. Si. Pourquoi j'ai le stream qui... J'ai l'affichage qui rame aujourd'hui. Alors, peut-être qu'il m'a mis en QHD ce coquin. Pour la mise à jour. On va se mettre dans un endroit où fréquentable. Où je serais à peu près certain de ne pas rentrer dans mon... Dans l'arrière du véhicule. Oui, vous cherchez à me faire dire des trucs que j'ai pas très envie de dire le dimanche matin. Yaha! Ça le fait. Je vais faire une pause là pour vérifier ma résolution. Et donc, résolution, settings. Je pense que le pépère m'a balancé en QHD pour que ça rame comme ça, quoi. Non, même pas. Mais bordel, c'est quoi qui fait ramer Bon, bah tant pis, on y retourne. Vous êtes prêts, les gens? Vous êtes sûrs? Regardez-moi ce piéton qui a l'air de... Franchement, mais sérieux. C'est vraiment le bon jeu que j'ai choisi pour ce dimanche matin. Alors, je vous rappelle que vous êtes sur Radio TBG, la radio de tous les bus de la RATP et des autres services de transport en commun. Ce logiciel de formation de nos pilotes chevronnés est la garantie que le service sera bien accompli. Il se traîne, ce bus, il me plaît pas. Il faudrait que je perde pour... Je réessaye mon jump, hein, parce que c'est... C'est n'importe quoi. En plus, ce jump est méga cosmique, quoi. J'ai sauté combien de mètres de hauteur? 50 mètres, là. Oh, la musique. Ouais. Tu le fais. Oh, presque. Alors, je vais essayer de comprendre ce que c'est, ce problème de fluidité qui est tout caca. C'est quand même zarbi. Bon, on va essayer une blague. Moi, ça me dérange pas de le descendre en plus pourri. Hein. Du moment que ça avance. Alors, 768. Je pense pas que ça le fera, mais. C'est juste pour le forcer à changer de résolution, voir si ça rame pas. Le problème, c'est que je peux pas vérifier. Et il faudrait que je sois dans le jeu. En pleine partie. Non, mais je pense qu'il a merdé, parce que l'affichage avant, je crois qu'il était en QHD, hein, réellement. Et il y avait un bug sur le menu, parce que là, ça me semble quand même plus... smooth. Garage! Je vais reprendre. Je vais prendre celui-là, je l'ai pas essayé. Que diable! Et les amis, cette fois-ci, nous allons partir dans un lieu, un endroit,
Maintenant que je sais que j'ai jump, normalement ça devrait mieux se passer ici. Oui, le gars qui prévoit un peu quand même. Alors le jump, c'est la gâchette gauche. Ouh là là, ça a été encore plus cel-shadé que avant, la mise à jour. Oh la vache! Avec la musique. Les gens qui veulent vomir sont priés de descendre au prochain arrêt. Mon bus est full. Le chauffeur va vous emmener quelque part. Entre les maisons. Zon, 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 zon. Bon, on va avancer un peu, les gars. Je vais essayer, je vais essayer. Je veux absolument me passer par-dessus. Yeah, fuck yeah. Un vrai gamin. Oui, bah, je suis parfaitement d'accord. Je ne saurais pas contrarier cette vérité. Y a pas de tarasa, voilà. Eh, mais c'est moi là-bas que je vais. Je vais me marquer un but dedans. Beach. Et voilà, tout le monde à la school. Je vais faire un méga high score of the death in the killing mood of the overloading bus. Et c'est mon cul que je vois là-bas. Je roule après mon cul. Attends, je te suis. Comme ça, je saurai où j'en suis à peu près sur les. Sur mon parcours. Moi, je pense que c'est la meilleure stratégie, ça, suivre son cul dans ce jeu. Voilà, le petit train descendait de la montagne. Alors, je me vois pas m'allonger, du coup, c'est bizarre. Hi, j'allais marquer un but en même temps. Comment ça, j'ai trouvé le cheat mode infini? Chut, ça reste entre nous, on est dimanche. Vous n'avez rien entendu, je peux effacer vos souvenirs instantanément, rien qu'en soufflant mon haleine de dragon dedans. Dans le micro. C'était chaud quand même là. Oh, c'est pas le tout de devoir dire des conneries, mais regardez ce que ça me fait faire. Là, ça passera comme ça. Ah mais je peux plus sauter les mecs. Je ne peux plus sauter, je me suis un peu fucké. C'est quand même une belle saucisse que j'ai traînée sur ce tableau. Je suis très content de mon artwork. Et puis ces couleurs chatoyantes, franchement. On pouvait pas rêver mieux. Made menu. Oui, alors, je me permets pas de mettre mes musiques à moi, parce que le robot con de Twitch est parfaitement con et il coupe tout l'audio, y compris les commentaires. Donc, je m'abstiens. Mais je pense très fort à vous. Et si vous voulez, je peux même vous mettre des niveaux. Est-ce que j'ai des bruits à un autre niveau? Il manque encore un coup. Mais bon, je pourrais vous le mettre sans musique, comme ça vous mettez la voix dessus, un truc un petit peu énervé, qui serait plus de circonstances. C'est vous qui voyez, hein. Voilà, vous avez un chat, vous pouvez crier dedans. Vous pouvez faire du shout. Shout, let it all out. These are the things that machin, je sais pas quoi. Attention, attention monsieur, monsieur. Un bus, hein, et c'est pas fait pour faire des vrilles, des tonneaux, des on ne sait pas quoi. Faut peut-être que j'aille poser mes gars un jour, non? Ouais. Alors quand ma saucisse va commencer à avoir une bonne longueur, ça va être très drôle, je pense, ce niveau, parce qu'il va falloir ne pas hésiter à abandonner le sol des vaches pour. Ouais, je vais scorer comme un cochon. Abandonner le sol des vaches pour. Oh putain, elle est pas évidente, cette rampe sa mère. J'y vais à fond. Youhou! Presque. Il y avait un bout d'idée. Hein. Bah, c'est en essayant qu'on devient essayiste. Et j'étais en train de dire quoi? J'ai complètement zappé. Qu'est-ce qu'il y a des nazes cette zik? Oh oui, elle est très très naze. On se croirait à la plage en attendant le vendeur chichi. Ta poule, ah, tu vas tomber, Ben. Tu vas tomber, man. Tu vas tomber. Non, tu remontes. Tu remontes.
Ça se trompe, j'avais pas réussi à l'avoir. J'aurais pu l'avoir, j'aurais pu faire un achievement, je suis sûr. Il y a un achievement, on va le faire, les amis, on va y arriver. Pourquoi je reprends la voix grave? Bah parce que c'est grave comme moment, bordel. C'est quoi ce torrent? Je l'ai pas essayé non plus. Ouh, elle a l'air chaudasse. Je la reprends plus, elle me... Non. Surtout que là, je commence à avoir une bonne saucisse, je pense. La saucisse. Quoi qu'en prenant des rampes comme ça, ça me permet d'éviter de me rencontrer. Donc, l'un sur l'autre. Puis ça va bien avec le rythme de la musique, regardez. À fond. Oui. C'est le stream de toutes les folies. Le stream où tout est permis. Puisque j'ai un bus d'une longueur absolument incalculable. Qui réussit des exploits que franchement. Je comprends pas qu'on m'engage pas encore comme chauffeur de bus quoi, quand je vois ça. C'est juste mirobolant. C'était le mot de la semaine à caser d'ailleurs, mirobolant. Ça passe. Eh oui, ça passe toujours avec moi. Hop là, une petite feinte à gauche, une petite feinte à droite. Je veux même pas imaginer la longueur totale du bus, quoi, c'est... Je pense que ça doit être inquiétant. C'est moi en face, deux fois. Ouh, c'est bizarre. Attention le trou, monsieur. Te pousse pas dedans. Allez, hop, petit jump. Je m'auto-esquive. Et alors là, du coup, ça va plus être très... Hop, putain. Laisse-moi de la place, moi-même, s'il te plaît. Tu veux sauter où, toi? Comme ça, je saute pas au même endroit que toi. Hop, ça passe, ça passe, ça passe. Et regardez-moi ce score. C'est le... Je pense que c'est un des meilleurs scores mondiaux que je viens de faire. Si on prend les 17 derniers. Bon, trêve de conneries. Non, 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 pas de play again. Au secours. Enlevez-le-moi. Le bonheur, vous savez ce que c'est? Le bonheur, c'est quand t'as le droit de déverrouiller un nouveau tableau dans Snakey Bus. Parce que du coup, tu sens ton utilité de chauffeur, quoi. Oula, celui-là, il a l'air... tordu. On va faire dans l'ordre, hein. De toute façon, ils doivent coûter plus cher les autres, donc... tableau inédit, joie, rien que pour toi, viewer. Il est 10h du matin, on est dimanche, et je vous souhaite la bienvenue sur ce tableau qui va être absolument incroyablement... Faut pas tomber des rampes, je crois. Je vais surtout pas accélérer, je crois. En fait, plutôt que de croire, je vais surtout être sûr. C'est quoi cette... Ah, on peut se servir de la sphère. Qui magnétise le bus un petit peu, mais c'est très bizarre, quoi. Il faudrait qu'on ait une autre musique. Alors, ce qu'on va faire, je vais couper la musique. Hein. Je chanterai. Ce sera plus simple. Vous allez voir. C'est chiant, ces settings qui ne passent pas avec le pad. Merci. Background music. Parlons-en de la background music. Il n'y a plus. Comme ça, les viewers, ils vont mettre ce qu'ils veulent. 8. 10. Ça devrait être pas mal, non? Allez. Les passagers ont l'air super contents. Et la musique, je vais vous la faire moi à la bouche. Alors, vous voulez écouter quoi? Allez-y dans le chat. Je suis dispo. Je peux faire du... Je sais pas trop ce que je peux chanter. Comment ça fait vide sans la musique? On ressent, oui, ce grand vide caractéristique des abysses qui sont à côté de mon bus, d'ailleurs. Je pense que je vais pas durer sur ce tableau, les amages. Puis du coup, on est un peu obligé de tourner tout le temps dans le même sens, quoi, parce que c'est vraiment le bordel. Ouais, j'essaie de repasser sur les grosses baoules. Elle est où, la grosse baoule? Plus proche du milieu? Allez. Amuel, la grosse baboule. Oh, putain. Comment j'ai fait pour passer dessus?
Il va falloir suivre un réseau de rampes absolument. Ouh là là, je vole. Je vole, tranquille. J'ai peut-être pas volé pour grand-chose. Oups. Alors, il fait des petits. C'est la première fois qu'on entend les bruitages dans le stream, du coup, c'est émouvant. Ah, purée. Faudrait que je tourne dans l'autre sens, hein. T'en dis quoi? Et vous savez que je peux faire un demi-tour, c'est ça le gros problème. C'est la question universelle de tous les chauffeurs de bus. Sa race maudite. On le plaît bien celui-là. Alors, en plus, il m'a fait démarrer dans ce sens, c'est rigolo. Mais en fait, on doit pouvoir. C'était pas terrible, terrible ça. Je disais donc, oui, il m'a fait démarrer dans ce sens, donc ça vaut. J'avais une théorie fumante, fumeuse, fumolique, enfin, j'avais une théorie, quoi. Mais je pense qu'elle est bidon. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Elle est là, elle est là. Elle est là, la rampe qui tue. Tout droit, tout droit, tout droit. Gros, 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 tout droit. Purée, tu l'as passé le premier coup alors que t'as improvisé total. Et là, tu me fais du flan au caca. Alors, la recette du flan au caca, c'est très particulier. Parce qu'il vous faut deux ingrédients. Du cacao et un képi. Bah oui, il y a deux cas. Et donc, il vous faudra une grande marmite. 200 ml d'eau que vous porterez à ébullition d'ailleurs, bah, pour faire fondre le képi. Et puis des noisettes, c'est important, des noisettes. Comment ça, c'est toujours autant de n'importe quoi les streams de Monsieur K? Bah, vous en connaissez beaucoup des gars qui vous font voir un jeu du Snake qui date de l'époque du Nokia 3310, je le rappelle. Et donc, les gars qui vous font voir un mix entre le Snake et Crazy Taxi, je rappelle. Bien que la vitesse, là, on soit pas quand même dans le royaume de la. Faudra un wipeout avec ce bus, ce serait bien. Oh putain, faut pas que je leur donne cette idée, ils vont le faire. Bah oui, il y a des fois, on prend des risques, hein, quand même. Les développeurs, si vous écoutez, prenez le petit stylo avec l'embout rouge sur le bureau, là. Voilà, regardez-le bien en face, appuyez sur le bouton au-dessus. Ouais. Voilà. Et en fait. Ton rêve, ce n'est pas de faire de la programmation, mais d'être l'employé du mois dans un McDo. Allez, bonne journée. Et donc je disais, bah oui, il faudrait pas qu'ils fassent ça les développeurs, merde. Enfin, ceci dit, moi l'option deux joueurs, je l'attends toujours. Parce que je pense que à deux joueurs, là on aborde la finitude, on n'est pas loin du paroxysme, de l'apogée, quoi. Moi je tournerai comme ça tant que ça me plaira. C'était chiant, oui, j'en conviens tout à fait, mais je vous ai narré quand même des trucs super intéressants, et du coup j'avais besoin de faire quelque chose qui ne demandait pas d'attention à l'écran, quoi. Là, rien que de me voir avec mes couleurs fluo de l'autre côté, ça me perturbe déjà, regardez. Je vous rappelle que je suis un peu colorphobe. Oui, la colorophobie, cette grande maladie du 21e siècle. Mais faut dire, on n'arrête pas de se faire agresser par les trucs tout choupis, quoi, c'est pénible. Un peu plus déprimé. Avec des habits noirs et de la musique répétitive à base de basse et de... Là, il va y avoir un problème. Là, va vraiment y avoir un problème, je crois. Il est où le problème? Il est là. Où ce fut géré avec, un cul bien bordé de nouilles. Oh putain, je viens juste de. Jump. Jump, 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 jump. Là. Hop, t'es parfait. Bouge plus. Alors, faut que je retrouve la phrase que j'étais en train de dire avant. Alors, je vous garantis que c'est pas évident parce que là j'ai dû improviser un truc où le bout de matière grise qui fait flic-floc dans mon crâne a dû fonctionner à 4000% sur un laps de temps très très réduit. C'est ce qu'on appelle l'affolement en termes non techniques. Ça va remerder, ça va re-remerder, je vous le dis. Je vais me sauter par-dessus là, je crois. Hop, hop, non, je me casse. Je m'évite comme la peste. Oh, on va peut-être se faire la grosse boule. Ah non, ça m'a pas l'air d'être le bon chemin, ça. Oh purée, j'aurais pas dû. Et jump. Jumpy.
Jump pas. C'était quand même une belle partie, on doit la mettre. Hein. Je vais juste regarder. Juste regarder si on peut déverrouiller encore quelque chose, ça pourrait être sympa. Et puis on va se quitter là-dessus parce que je vais aller redormir en fait. Comment ça, je spoil? Oh, il manque juste deux coups. Ouais, vous avez envie de le voir vous aussi. Ok, bah, je vais m'endormir devant l'écran, c'est pas grave. Lequel vous plairait? Ah bah on l'a pas fait celui-là, avec le bus tout coloré, ça va être magnifique. Ça va être The Real Miami. Allez, on fonce. Alors niveau musique, mettez ce que vous voulez, hein, profitez-en. Moi je pense que je vais remonter ce stream en y mettant de la musique et en modifiant ma voix pour la remplacer par des choses super intelligentes que je pourrais dire. Parce que c'est au moins on verra que c'est un montage quoi. Aujourd'hui je vais vous parler de la fusion nucléaire. Alors la fusion nucléaire. Un terme qui fait un peu peur à cause du mot nucléaire, probablement. Mais qui n'est pas si grave que ça, puisque regardez cet homme à trois bras, qui travaillait anciennement à la COGIP. Oui, le retour des COGIP. Faut que je réussisse le méga jump, il y a un méga jump quelque part là. Et je serais très très heureux de le réussir. C'est celui-là. Mais faut prendre de l'élan à donf, je crois. Allez, élan à donf, on y croit. Yalla, yalla, yalla. Oh, oh, oh. Ah, il y a un truc. Il y a un truc, les gars. On va y arriver. Je l'aurai. Un jour, je l'aurai. Oh oui. Hop, hop, hop. On va inspecter ce coin pour regarder tout ce qu'il y a à visiter. Parce qu'en fait, j'ai pas inspecté ce coin. Parce qu'il n'y a rien à inspecter, tout simplement. Mais moi, je suis tellement curieux que. Putain, ça passe. Ça, c'est un cul-de-sac, c'est évident. Tourne, 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 gros. Je veux absolument le passer ce truc. Il est fait pour. Dis-moi pas qu'il se passe uniquement dans l'autre sens. Ce ne serait pas censé. Eh oui, un sens qui se passe dans un seul sens, c'est un sens unique. Et il n'est pas signalé sur la map. Et je raconte n'importe quoi, ça y est encore. Ça recommence. Alors, est-ce que ce jeu rend intelligent? Laissez-moi réfléchir. Il est où le tremplin? Je le vois pas de là. Oh putain, il est là. Yallah! Bah non, ni dans ce sens, ni dans l'autre. Hein. Alors l'idée, ça serait peut-être que je fasse un impact de saut. Voyez-vous? Au moment même où je fais le saut sur le tremplin en pratique. Et là, je pense que je devrais atteindre un great success. Comme dit si bien notre ami Borat. Ouais, bus full, ça attendra les gars, on va faire un jump d'abord. Ouais, non mais moi je vous le dis. Alors n'oublie pas de jumper avec ta gâchette de gauche. Ce suspense. Yo motherfucker. Ah putain, j'étais pas dans l'axe. Je tiens absolument à le passer ce truc. Je suis désolé, mais on le refera le nombre de fois nécessaire à ce que j'atteigne. Le nirvana que tout chauffeur de bus se doit d'atteindre un jour en faisant une figure freestyle avec son bus accordéon. T'es bon là, man, t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon. Putain. Je suis tombé sur de l'eau solide, les gars. Oui, bah il n'y a pas que au Groenland et à l'autre pôle que, non pas pôle, l'autre pôle. Et il n'y a pas que là-bas que ça existe, l'eau solide. C'est fou ça, on pourrait en faire des trucs. Genre des petits carrés qu'on encule, qu'on entuberait, qu'on empilerait. C'est dimanche matin, je le rappelle, hein, je suis pas plus réveillé que vous. Alors, sans la musique à jouer, je vous garantis que c'est vraiment pas fun. Mais, les gens qui iront sur YouTube plutôt que de rester sur Twitch, bouh, c'est moche Twitch. Non, c'est bien Twitch, mais voilà, j'ai pas mon audience dessus. Bah, vous irez sur YouTube, vous verrez ce que ça fait avec la musique. Parce que sur YouTube, je vais me faire flaguer.
Mais je me fais pas couper les morceaux abruptement comme font ces espèces d'énormes connards de Twitch. Oui, monsieur Twitch, si tu m'écoutes, t'es en train de te faire insulter. Mais dis-moi pas que t'es pas un énorme connard quand même. Couper un audio à la volée comme ça, quitte à foutre en l'air tous les trucs intéressants qu'il y avait derrière, bon, avec moi ça arrive jamais, mais. C'est quand même un peu. On sent les moustaches courtes et le bras droit bien tendu, quoi. Et ça, on n'aime pas trop par chez The Big Game Oski. Faut que j'aille où, moi? Bah, j'ai bien tourné autour, en tout cas. Bon, ce bus m'a l'air prêt à faire le jump de sa vie. Oh, aïe, 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 non, surtout pas. Malheureux, là. Est-ce qu'on a déverrouillé l'autre? Oui, moi je dis oui. Allez, 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 vite, faut que j'aille dormir. Qu'est-ce qui m'a fait la planter? Oh, connard. Cette fausse joie. On se fait un petit tour à Paris encore, mais vite fait. Hein. C'est juste pour vous faire voir. Non, on va aller là-dedans parce que ça avance bien, ça. Bip. Alors, je serais très curieux de voir d'autres gens qui font des reviews de ce jeu parce que c'est. Tout le monde doit y aller de sa petite référence et c'est très rigolo quand même. Et puis ce truc est parfaitement. Fun! Oui, bah c'est un synonyme de dispensable. Mais du coup, c'est. Moi, je vous dis, le concept, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça d'une telle connerie. C'est le genre de truc, vous êtes capable d'imaginer uniquement ça un soir quand vous avez trop picolé avec des potes, quoi. Et donc vous êtes là au pub avec votre petite team dev et vous faites bleu, que de la gueule. Et non, le gars il le sort. Le gars il le sort. Même pas peur quoi. Allez, on va se faire un petit peu la mort du risque. Mais mon bus il est miniature là. Il marche pas mon bus. Il veut pas grandir. Je vais rouler comme un salaud. Hein. Ah ça c'est moi. Ouh, ça c'est du skate quoi. Je vais faire du jet set bus radio. Yeah, you're Mr. K in the house. Let's go, creeps. Je le fais super bien, oui, je sais. Bah, en fait, c'était un échantillon que j'ai sur mon ceinturon qui me permet d'avoir des super pouvoirs. Hein? On est arrivé? Non, mais je demande. Infirmière. Non, du whisky. Bah, ouais, je me lève, quoi. Il faut ce qu'il faut. Bah, je vais retourner là, tiens. C'est où, faut que j'aille? Parce que du coup, je suis plein et je suis même pas allé poser des passagers. Ah, je peux plus en prendre en plus. Where is my mind? Where is my mind? It is here. Soccer field. On va faire un peu de soccer. Oh non, pas tant que ça. Oh, peut-être dans l'autre sens. Et pourquoi cette voix? Bah parce que ça fait un style, bien entendu. Bidip bip bidip bip 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 broup broup bidoup. Ah, le ballon est revenu. Il y a un arbitre invisible qui remet le ballon dans la surface de jeu. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Bon, je me prépare à sauter parce que je pense que je vais avoir un petit. Je vais rencontrer quelqu'un, quoi. Oui, les rencontres, ça ne se fait pas qu'au hasard ou sur les sites spécialisés. On peut les faire également dans ce jeu. Regardez. Ça sent la méchante rencontre. Non, ça va. Je vais reprendre ma technique de tout à l'heure, c'est-à-dire me suivre patiemment. Et là, je crois que je vais me faire une blague. Ça va pas être bon. Je fais marcher ma tête. Hein. Si, si, si. On n'a pas l'impression comme ça, mais. Le bug. Le bug. Bug of the killing mood. Alors, je vais pas trop vite, hein, vous avez remarqué. C'est marrant. Bizarre. Hop là, tranquille. Sur les maisons, ça passe. Personne n'a rien vu. Je vais pas me faire engueuler par le patron quand je vais rentrer. De toute façon, les rayures, elles se voient pas. Le truc est bariolé. Donc, que ce soit de la rouille ou une tonche, personne te calcule, Gérard. Hop, une passe là-bas. Non, mais je gère total aujourd'hui. Ce jeu est fait pour jouer quand on a une bonne gueule de bois, je crois.
C'est là qu'il révèle tout son potentiel et son essence et sa vraie couleur. Allez, man. Il vient de me faire un bug. Je suis pas d'accord. Ça passait. Bon, dis-moi qu'on avait déverrouillé outre. Ça serait super. Je vais faire une coupure pub. Non mais je pense que je vais me servir de ce stream et je vais le remonter pour en faire un truc absolument magnifique qui fera passer Monsieur Oiseau pour quelqu'un de prétentieux. Parce que ce sera encore plus improvisé que ces trucs. Et ça partira encore plus en sucette. Et on aura peur et on rigolera en même temps. Je peux y aller? Alors ça c'est la station orbitale des années 70, quoi. Voilà. On te fait une fausse gravitation, il y a un fond, il y a des trous. Ah, c'est piégeux. Donc il doit falloir gérer son truc. Eh les gars, il n'y a pas de fond là. Ah bah, je m'en vais. Il y a encore une balle de golf. Oh putain, j'ai failli gerber. Ah, faut qu'on revoie l'action, là j'ai pas eu le temps de m'adapter les amis. Je suis désolé. Pas fait exprès. Ils se sont lâchés les gars hein, quand même. La babale, je veux la babale. Ah, oh la babale. Oh ouais. Comment ça, on a perdu Monsieur K. Pff, ça fait longtemps les amis, vous savez. Hein. Si vous vous en rendez compte que maintenant, c'est qu'il y a un problème. Bon, si tu passes bien au milieu, là, ça se gère. Après, il faut que j'aille là-haut et que je tourne là. Il doit y avoir des trous ou je sais pas quoi. Non, attention à la maison. Voilà. Ça gère. Quand mon truc va atteindre une certaine longueur, quand je parle de mon truc, c'est mon bus, hein, ça va être... Non, je ne dirais pas dramatique, mais... Juste tragique, je pense. Il est où ce truc? Ah. Allez, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Tu gères, tu conduis comme un dieu, tu n'es pas un débutant. Avec toutes les parties, tu sais maîtriser le bus maintenant comme un seul homme. Tu as le power, tu as le touch, tu as l'efficacité, tu as la baballe. Yeah. Du coup, à jouer avec la baballe, j'ai raté mon arrêt. C'est un peu con. Et voilà. Vous avez vu cette maîtrise, les amis? Oui. C'est de toute beauté, il faut pas hésiter à le dire, hein, c'est de toute beauté, de toute manière. Ça arrive pas tous les jours. Hein. Oh, ça c'était moche. On va s'arrêter là puisque je vais aller prendre des tartines et m'en coucher. Je vous promets, regardez comme il est beau. Ce bus qui part au loin, dans l'infini, vers le néon, telle une grande chose étirée qui... Qu'est-ce qu'il essaie de nous montrer là? Ils ont pas ça dans Star Trek. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt sur YouTube. Pensez à vous abonner. Je pense que vous trouverez des streams encore pires que celui-là. Bye. Oh, ça tourne. Toupie, toupie, toupie.